L'idée, c'est avec le Mans FC de reconquérir notre public, reconquérir le stade. Et on profite de la période de Noël, qui est une période un peu particulière en France, et surtout la période pour faire plaisir aux jeunes, aux enfants. Et donc l'idée, c'est de nous rapprocher des jeunes licenciés de toute la ligue, de tout le département. Et donc on s'est dit, bah, écoutez, on va essayer d'organiser un grand Noël pour tous les jeunes licenciés de la Sarthe. Et donc leur proposer cette grande fête avec plein d'animations avant le match, au milieu du match, un beau match aussi on espère, et bien entendu un feu d'artifice qui sera offert à la fin du match grâce aux établissements Leclerc de Le Mans et d'Alonnet. Donc c'est une belle réussite, mais on la doit aussi à Franck Louze, le président du district, et à Gérard Loison, président de la Ligue, qui nous ont vraiment soutenu et aidé dans cette initiative, et je tenais à les remercier. Deuxième édition du Mans MM Arena, on avait pris l'engagement avec le président Gomez de mettre 4000 enfants des clubs sartois. Et c'est vrai que les clubs sartois ont répondu présent, 70 clubs qui ont répondu présent, et puis 4250 enfants qui ont joué le jeu. On voit que le partenariat avec le district, le Mans FC et les clubs sartois est en bonne augure. Quand je vois un magnifique outil comme ça, comme le Mans MM Arena, je pense qu'ils peuvent jouer en national l'année prochaine, Ligue 2 et Ligue 1, pourquoi pas. Et je souhaite du cœur pour le président Gomez et le président Guédé, et ils font un travail extraordinaire. Paul, t'es pas stressé ? Si, un petit peu. Et Paul, c'est à vous de donner le coup d'envoi du match. Allez, tapez en ballon.